pour vous présenter Marseille et sa région. Sophie, c'est à toi. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sophie. Donc, je travaille pour les voyages Rive Gauche depuis des années. Et donc, on est spécialiste de la région de la Provence. Et donc, par ce programme d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Marseille, donc l'une des plus belles villes de France, donc la deuxième ville de France. Donc, je vais vous présenter donc des aspects généraux de Marseille, avec des vues différentes de la ville, pour mieux vous approprier un petit peu la ville, comment elle se compose, comment elle est faite, la naissance de Marseille, les principaux lieux que vous pouvez visiter. Et après, avec l'aide de ma guide Carole, qui est guide conférencière sur la ville de Marseille, elle vous présentera donc le programme qui est dans le catalogue Rive Gauche. Et donc tous les aspects que vous allez voir de la ville de Marseille. Donc là, sur la première photo que vous voyez, donc c'est une vue, l'une des plus belles vues, je dirais, de Marseille. Donc avec, vous avez donc le Fort Saint-Jean et à côté donc le Mucem. Donc en 2013, Marseille a été capitale européenne de la culture et donc il y a eu beaucoup de réaménagements dans la ville de Marseille qui ont été créés. Donc, pour valoriser la capitale européenne de la culture. Et donc, des nouveaux musées ont été créés, dont le Mucem, que vous voyez sur la gauche, qui a été créé par l'un des plus célèbres architectes français. Donc, vous pouvez voir après, je vous passe donc là, bon, je pense que certains l'auront reconnu, enfin, j'espère. Donc, c'est l'entraînée du Vieux-Port, donc le fameux Vieux-Port de Marseille. Donc, vous avez sur la gauche, donc, une partie encore du fort Saint-Jean, et au fond, vous avez tout le vieux port de Marseille, donc avec toutes les collines derrière de la Provence. Alors, sur le slide suivant, donc là, vous avez donc une vue plus générale en fait du Mucem. Donc, ce bâtiment a été créé, comme je vous ai dit, pour valoriser en 2013 Marseille. Capitale culturelle. Donc, ce nouveau musée a été créé en 2013. Il est dédié au musée, enfin, à tout ce qui est en lien en fait, avec les civilisations de la mer. Comme vous savez, Marseille est une ville ouverte sur la mer, et donc ce musée a été créé spécialement pour valoriser toutes les civilisations qui ont fait de Marseille l'une des plus belles villes portuaires de France. Vous avez aussi. Donc là, c'est une autre vue. Alors, c'est vrai que ce bâtiment, dans le programme que l'on fait avec Rive Gauche, on le visite, parce que c'est vrai qu'en fait, l'architecture en elle-même est vraiment splendide, en fait. C'est un très grand architecte qui a fait ce musée, et c'est vrai que l'architecture, qu'on le voit de jour ou de nuit, il est splendide. C'est l'un des préférés. Donc là, vous le voyez de nuit. Donc là, c'est vrai que de nuit, c'est vrai que c'est quand même encore. Alors après, vous avez encore donc là le Mucem et vous avez derrière en fait tout le nouveau port de Marseille, donc tout ce qu'on appelle le quartier de la Joliette qui a été rénové. Et donc derrière, vous avez donc la cathédrale de la Major, donc l'une des plus principales, l'un des principaux bâtiments de Marseille avec bien sûr la Bonne Mère, enfin Notre-Dame de la Garde. Nous, on l'appelle la Bonne Mère ici en fait. Hein. C'est vraiment, Sophie, on a oublié de po poser la question à nos membres. Est-ce qu'il y a des Marseillais parmi vous qui regardent justement cette conférence? Ça peut être intéressant justement. N'hésitez pas à alors, partager c'est pas votre vraiment des expérience aussi. Marseillais, mais bon, moi j'ai des collègues en fait qui sont de la région. Donc j'ai deux collègues qui s'appellent Adeline et Karine, et qui sont donc de la région de Marseille, et qui et ben nous regardent en fait. Eh bien, Voilà. excellent. Mais je pense aussi qu'il y a des Marseillais, ou alors, parce que nous, en fait, nous sommes basés à La Ciotat, donc à 20 km de Marseille, et je pense qu'il y a peut-être aussi des gens du Var, ou alors du Gard, enfin. J'espère en tout cas qu'il y a des Marseillais et qu'ils apprécieront la présentation. Tout à fait. N'hésitez surtout pas à écrire sur le chat. On est là pour échanger. On Oui, est voilà. bien. Hein. Si Voilà, vous avez des entre nous. questions ou alors s'il y a des choses que vous voulez en complément, il n'y a pas de problème. On est à votre disposition pour vous répondre et pour vous faire découvrir cette belle ville.
Alors, après, donc voilà, donc ça, c'est ce que je vous parlais. Donc, ça, c'est la cathédrale Notre-Dame de la Major. Donc, elle est dans le même quartier, en fait, que le quartier du Mucem et que le Fort Saint-Jean, et donc dans le nouveau quartier de la Joliette. Donc, c'est le quartier, en fait, du port. Donc, à savoir que dans le programme Rive Gauche, donc ça, c'est un quartier que vous allez faire à pied. Parce que c'est vrai que, bon, alors Marseille, ce qu'il faut savoir, c'est, enfin, on prévoit le petit train, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font à pied, parce que Marseille se visite à pied. Mais bon, ce sont des balades quand même très agréables, puisque nous avons quand même, allez, 365 jours de beau sur l'année, donc c'est quand même très agréable. Pour le slide suivant, donc là, c'est le Palais Longchamp. Alors, ça, c'est l'un des plus anciens aussi monuments de Marseille. Donc là, en fait, ce palais a été créé parce que donc, Marseille n'avait pas d'eau potable. Et donc, ça a été, en fait, la première station, en fait, où est arrivée l'eau de la Durance à Marseille. Et donc, quand vous visitez le Palais Longchamp, vous voyez encore, je ne sais pas si vous voyez derrière, en fait, vraiment la fontaine qui est vraiment vraiment derrière, et c'est là qu'on voit en fait la Durance arriver pour les eaux, enfin ça a été l'eau potable qui est arrivée à Marseille. Et donc au Palais Longchamp aussi, vous avez sur la gauche le musée des Beaux-Arts et sur la droite le musée d'histoire naturelle. Et donc aussi vous avez un magnifique, donc, derrière le palais vous avez aussi un magnifique jardin, donc, qui est à visiter. Alors ça, donc c'est autre chose, donc c'est un autre style, c'est des autres bâtiments de Marseille. Donc sur la droite, vous avez le palais du Pharaon. Donc là, c'est quelque chose, enfin c'est un bâtiment qui est vraiment très très beau. Et surtout, vous avez une vue magnifique sur toute la rade de Marseille, du vieux port, sur le port aussi, le nouveau port de la Joliette. Et donc il y a un magnifique jardin, magnifique parc. Et sur la gauche, alors ça, c'est un bâtiment qui se trouve dans le quartier du Panier. Donc le quartier du Panier, c'est l'un des quartiers historiques de Marseille. C'est l'un des plus anciens, des plus typiques. Et donc là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle la Vieille Charité, en fait. Ça a été un hospice qui a été créé pour en fait les plus défavorisés. Et donc maintenant, il est aménagé en musée. Alors là, donc vous avez une arrivée. Alors là, est-ce que c'est le programme de parole ou pas? Ah, il faut mettre la. Ah oui, alors pardon, excusez-moi, hein, les moyens techniques. Il faudrait que Lucas, tu puisses mettre la vidéo, s'il te plaît. Eh ben c'est parti, on va y Allez, aller et de comme ça, je vais suite. vous commenter aussi en même temps la vidéo, un petit peu. Voilà, elle est lancée. Elle est lancée. Donc Sophie, t'inquiète pas, on a un petit décalage entre nos amis membres Rive Gauche sur YouTube et Ah oui, voilà, avec exactement. nous. Voilà. Donc t'inquiète pas. Oui. Merci de nous Ah oui, d'accord. rejoindre. Ah, je vois qu'il y a des retardataires. Je vois même qu'il y a des Marseillais. On confirme Jacqueline hein, qui est là, Marseillaise. Merci Ah bah, Jacqueline. tant mieux alors. J'espère qu'ils vont apprécier. Voilà. Donc là, sur la vidéo, donc c'est avec l'Office du tourisme de Marseille avec lequel on travaille. On a fait, donc c'est leur vidéo. Donc c'est une petite présentation en fait générale donc de Marseille, de la ville. Donc là c'est pour vous situer. Donc ça c'est une vue générale de Marseille. Donc là c'est le, enfin il y a le vieux port et c'est surtout le quartier du Panier qui va être visité. Donc là vous avez le vieux port avec le marché aux poissons tous les jours, très typique. Là aussi c'est un bâtiment, enfin c'est une verrière en fait qui a été faite sur le vieux port. Là, vous voyez alors le château d'If avec les îles du Frioul. Bon, bah, la fameuse bouillabaisse, hein, que là, vous dégusterez aussi quand vous faites aussi le programme Rive Gauche. Ça, c'est derrière l'hôtel de ville. C'est tout un quartier qui a été aménagé. Le Mucem, dont je vous ai parlé avant. Donc là, vous êtes à l'intérieur du Mucem. Ça aussi, c'est un autre musée qui a été fait pour Marseille-Provence 2013, le musée Beauregard, la cathédrale de la Major, avec tout le quartier qui a été raménagé, donc les voûtes de la Major. Ah bah voilà, ceux qui connaissent Plus belle la vie reconnaîtront le quartier du Panier.
avec ses savons. Alors ça, c'est le petit train qu'on fait aussi dans le programme. Le savon, la vieille charité, avec les différents musées. Alors ça, c'est l'Hôtel Dieu. C'est un nouvel hôtel 5 étoiles qui s'est fait sur Marseille. Donc là, on va faire une autre petite visite d'un autre quartier de Marseille. Donc là, le Palais Longchamp, que vous avez vu précédemment. Ça, c'est l'intérieur, le musée des Beaux-Arts. Donc il y a aussi des concerts l'été. Voilà, ça, c'est une vue d'ensemble avec le jardin derrière. Le cours Julien, avec ses terrasses, très prisées des Marseillais à l'été, avec le pastis, sans oublier, avec modération. Ça, c'est les rues commerçantes de Marseille. On a beaucoup de rues commerçantes à Marseille. Ça, c'est encore un autre quartier où vous pouvez. Bah, voilà, et nous, il y a plein de terrasses. Alors, ça, c'est de l'autre côté du port de Marseille, c'est l'abbaye Sainte-Victoire, qui visite aussi. Ah, les navettes, les fameuses navettes. Donc, ça, c'est une spécialité de Marseille. Voilà, la Bonne Mère, avec la basilique Notre-Dame de la Garde, avec l'intérieur où il y a plein de bateaux. Et donc avec la vue superbe sur Marseille, le palais du Pharaon. Donc voilà, là on poursuit notre petit périple. Donc ça c'est plus. Donc voilà, la plage des Catalans, l'une des plus grandes plages et fameuses plages de Marseille. Alors là, vous faites le petit tour, avec, le petit tour de la Corniche. En fait, c'est tout le long en fait, pour rejoindre les plages. Le quartier de Malmousse, l'un des plus connus. Alors, le parc Borély. Le musée des arts décoratifs. Les plages, toutes les plages le long du Prado. Très prisé l'été des Marseillais, avec plein d'animations, de choses. Et donc après aussi, ce que vous faites dans le programme Rivaux, donc c'est le parc national des Calanques. Avec, donc vous les faites au départ de Cassis. Et on fait donc les trois Calanques. Donc ça, c'est un bâtiment, on appelle ça, les Marseillais l'appellent la maison du Fada, c'est la cité radieuse créée par Le Corbusier, et notre fameux vélodrome, voilà, qui a été tout refait, et donc l'un des emblèmes de Marseille. Avec l'OM, bien sûr, hein. Donc ça, c'est le parc Chanot avec le palais des congrès, parce que Marseille donc, est aussi une très grande ville d'affaires. Il y a beaucoup de congrès, de conférences. Le Château Gombert, alors ça, c'est un autre quartier de Marseille où là, on visite. Et ça, c'est le Château de la Bussine, en fait. Donc là, vous verrez toute l'histoire du cinéma sur Marcel Pagnol. Donc là, vous avez le quartier de la Canebière, donc derrière le vieux port de Marseille, donc l'office du tourisme. Le centre Bourse, l'un des centres commerciaux de Marseille, avec les terrasses du Vieux-Port aussi qui a été créé. Le musée d'histoire de Marseille qui est dans le centre Bourse et qui recrée toute l'histoire antique de Marseille. Alors nous, les marchés de Noël, c'est donc bah, les Santons, la foire aux Santons. Donc c'est l'un des emblèmes de Marseille. L'opéra. Alors là, on part plutôt donc sur le port. Sur le quartier, donc rue de la République, donc une des plus grandes rues de Marseille avec ses magasins, partie commerçante. L'Estaque, l'un des quartiers de Marseille. Donc oui, vous avez beaucoup aussi de croisières qui arrivent à Marseille. C'est un gros port de croisiéristes. Vous voyez? Donc ça, c'est le nouveau quartier avec le grand centre commercial qui a été créé dans le quartier de la Joliette, donc les terrasses du port. Le Silo, l'une des nombreuses salles de concert de Marseille.
Donc là, c'est toutes les animations. Feu d'artifice, 14 juillet. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait un peu plus découvrir Marseille, donner envie de venir nous voir dans cette belle région qu'est la Provence et donc Marseille. Et donc là, je vais laisser la place à Carole, ma guide, pour qu'elle vous présente le programme. Super. Est-ce que vous avez aimé, du coup, comment vous l'avez trouvé cette belle vidéo? Alors, c'est normal hein, qu'il n'y ait pas de son. J'ai vu quelques questions sur le chat. C'est justement, on n'a pas mis de son exprès sur toutes les vidéos qu'on va vous montrer pour que nos spécialistes puissent les commenter en direct, en live. Je vous rappelle qu'on est en live. S'il y a un léger décalage, c'est possible, vous inquiétez pas, c'est du live. On est là pour passer une bonne ambiance. En tout cas, merci pour cette belle vidéo, Sophie. Merci pour cette belle présentation. De rien. On Et puis si s'est. vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez retrouver donc le programme donc dans le catalogue Rive Gauche. Donc il y a plusieurs départs. Et puis venez nous voir, venez apprécier Marseille, cette magnifique ville, et puis la Provence. Je vous dis à bientôt. Super, top, top, merci. Alors je laisse la place à Carole. On va laisser la place du coup à Carole qui va s'installer. Merci Carole d'être là. Donc Carole, je vais te laisser te présenter. Hein. Carole, guide conférencière hein, qui connaît très très bien la région, qui va pouvoir nous bercer, nous évader tous ensemble dans cette belle région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le chat. On est là pour passer un bon moment, pour échanger. Voilà. Carole, c'est à toi. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie, eh bien, d'être avec vous aujourd'hui et surtout de vous faire découvrir cette très belle région qu'est la Provence et notamment la ville de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Cassis, qui sont en fait les trois villes que vous allez pouvoir découvrir au cours de ce programme. Et justement, l'avantage de ce programme, c'est de pouvoir voir trois villes qui ont vraiment des personnalités très très différentes. Moi, je suis donc guide conférencière et je fais découvrir toute la Provence, mais ma grande spécialité, c'est plutôt Marseille, puisque j'habite entre Aix-en-Provence et Marseille. Donc, on ne peut pas faire mieux. Pour passer les slides. Alors, pour ce séjour, Voyage Rive Gauche, qui est organisé donc à Marseille, Aix-en-Provence et Cassis, j'aurai donc eh bien, le grand plaisir de vous accueillir à la gare de Marseille. Et ensuite, juste après le déjeuner, on va avoir une véritable immersion, tout de suite, je dirais, dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous sommes sur le vieux port de Marseille. Donc, c'est à proximité du vieux port que se déroulera le déjeuner. Et le vieux port de Marseille, c'est là où tout va commencer pour nous lors de ce séjour. Et c'est là aussi où tout a commencé dans l'histoire de Marseille. C'est là où se sont implantés les Grecs, les Phocéens, en 600 avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé une baie extraordinaire, la baie du Lacon, et c'est maintenant, eh bien, vraiment le lieu aussi, comme vous pouvez le voir, de promenade des Marseillais, des touristes, des gens qui viennent visiter la ville. Comme vous le disait Sophie, c'est le lieu aussi où tous les matins, eh bien, on peut avoir le fameux marché aux poissons qui permet de faire la délicieuse bouillabaisse. Le vieux port est aussi protégé, surveillé en quelque sorte par l'emblème, par le symbole de Marseille que les Marseillais surnomment la Bonne Mère. Et c'est donc la basilique Notre-Dame de la Gare. Tout le monde a entendu parler évidemment de la basilique. Cette basilique, elle date du 19e siècle. Et elle fait partie des constructions de nombreuses églises que nous avons eues sur Marseille. Elle a un style tout à fait particulier, néo-romano-byzantin, et c'est un véritable petit bijou qui a aussi évidemment une histoire extraordinaire et que vous découvrirez
lors de notre dernière journée de visite. Voilà, on retrouve donc là une vue du Vieux-Port. Alors, il y a certaines mauvaises langues, quelquefois, il n'y a pas de monument à Marseille, ce qui est totalement faux, parce que déjà, rien que lorsque l'on est sur le Vieux-Port, vous avez cette basilique perchée sur la colline la plus haute de Marseille, vous avez juste en contrebas, si vous pouvez voir, une construction médiévale qui est en fait l'abbaye Saint-Victor, et de part et d'autre de l'entrée du port, vous avez deux forts du XVIIe siècle. Si c'est ça, ne pas avoir de monument, je n'y comprends absolument rien. En effet, Marseille a une histoire passionnante, riche, qui débute à la période grecque, puisque c'est la plus vieille ville de France, et qui va avoir une histoire très, vraiment pour moi, passionnante, notamment au XIXe siècle, puisque c'est une période vraiment de grande prospérité économique pour la ville. Voici donc une autre très belle vue, très colorée du Vieux-Port, mais c'est vrai que le Vieux-Port, c'est l'animation actuelle, puisque... j'ai quelque chose qui s'est écrit sur mon écran, puisque en fait c'est aussi donc, le lieu de promenade des Marseillais, c'est le lieu de départ des navettes qui vont partir pour les îles du Frioul, pour les Calanques, même si nous, lors du programme proposé par Rive Gauche, nous partirons à la découverte des Calanques de Cassy et non pas de Marseille, mais c'est possible aussi de le faire au départ de Marseille. Nous quitterons donc le Vieux-Port pour monter alors, au palier. Excuse-moi, alors, Carole, je vois qu'il y a un petit « c'est comme cadeau ». Alors, je ne sais pas si tu veux nous offrir tout de suite des cadeaux. Il faut juste peut-être cliquer sur la Je veux bien, hein, mais la, je ne sais pas. Il faut peut-être que je clique quelque part. Les cadeaux, normalement, ça vient à la fin. Mais peut-être qu'effectivement, Carole vous souhaite vous faire découvrir ça un tout petit peu avant. Je ferme la fenêtre. Il faudra juste cliquer sur la petite croix. Voilà. Alors, très bien. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a un voyage à gagner à la fin de la conférence. Donc, surtout, restez jusqu'au bout. On aura le plaisir de vous faire gagner un voyage en direct. Et on a d'autres surprises également. Voilà. Donc, Carole vous a donné un petit aperçu. Mais non, Carole, ce n'était pas tout de suite les surprises. Je te laisse continuer. Je suis trop rapide. Voilà. Alors, je vous disais qu'on allait quitter le Vieux-Port pour monter au panier. Alors, c'est étrange, en effet, cette expression, mais les Marseillais, ils ont l'habitude de monter au panier parce que ce quartier, qui est le quartier le plus pittoresque de la ville, qui est le quartier historique de la ville et qui garde vraiment cet aspect de petit village provençal avec même une influence italienne, voire napolitaine, parce que, évidemment, Marseille est une ville cosmopolite. Eh bien, ce quartier est situé sur une des collines de Marseille. C'est pour ça qu'on monte, on va dire, au panier. Et donc là, vous pouvez admirer une des très belles façades colorées où la végétation a envahi aussi les rues avec une appropriation du domaine, on va dire, un peu public. Et c'est un quartier maintenant où on va retrouver évidemment la présence des touristes, mais aussi des artistes. Donc c'est un quartier qui est très, très vivant et qui nous amène aussi à parler des différentes traditions marseillaises, à savoir, bien entendu, le savon de Marseille. Mais aussi des traditions telles que la pétanque, le pastis, par exemple. Alors, ici, vous pouvez peut-être reconnaître ce café, le bar des 13 coins. C'est lui qui a influencé, on va dire, le qui n'est pas tourné au palier, désolé, mais qui tournait en studio, mais à Marseille. Mais en effet, c'est le quartier du Panier qui va donner naissance, en quelque sorte, au paysage, aux ruelles que vous
les veuves. Et donc, ce quartier, ce bar des 13 coins, fait partie des lieux un petit peu emblématiques de Marseille et du quartier du Panier. Alors, je parlais donc de la pétanque, du bâtisse. On est toujours là sur la place des 13 coins, on est toujours dans le quartier du Panier. Je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui pourquoi ce quartier s'appelle le Panier. Pour ça, eh bien, il va falloir que vous veniez me voir et que vous participiez à la visite du quartier, parce que je ne peux pas vous dévoiler tous les secrets aujourd'hui. Non. Ah non, c'est juste un aperçu aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai qu'on a la chance, hein, avec Carole, que là, elle vous présente cette belle conférence web et elle sera là avec vous justement pour visiter cette belle région. Ça, c'est exceptionnel, hein. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la toucher là maintenant tout de suite, mais vous serez bientôt à côté d'elle sur la région de Marseille. C'est extraordinaire, hein. Je te laisse continuer. Avec un immense plaisir, hein, bien sûr, de vous faire vibrer, de vous faire vivre cette magnifique région. Alors, après ça, eh bien, direction une petite halte, on va dire gourmande, pour déguster les fameuses navettes. Les navettes, c'est une spécialité marseillaise, c'est un petit biscuit à la saveur de fleurs d'oranger, qui est une recette ancestrale, puisqu'elle remonte au Moyen-Âge, qui a la forme d'un bateau et qui fait partie des traditions, des légendes marseillaises, puisque on nous dit que sur ce bateau seraient arrivés les saints de Provence. Mais là encore, pour en savoir plus sur cette légende que je ne manquerai pas évidemment de vous raconter lors de votre séjour à Marseille. Donc là, vous avez un aperçu de cette boutique, mais aussi du boulanger, du pâtissier qui les réalise, qui les fabrique avec évidemment beaucoup de passion et beaucoup d'amour depuis des années. La recette étant à la base, on connaît les ingrédients, mais après il y a toujours un petit secret derrière. Donc, le quartier du Panier, vous verrez, hein, vraiment un quartier extraordinaire et pittoresque qui va nous amener jusqu'à la cathédrale dont Sophie vous a déjà un petit peu parlé. Et vous allez voir donc que cette cathédrale Sainte-Marie-Majeure, si on veut vraiment le bon intitulé, a une certaine ressemblance avec Notre-Dame de la Garde. Eh bien, tout simplement parce que l'un des architectes de cette cathédrale est le même architecte que Notre-Dame de la Garde, le Palais Longchamp, donc Jacques-Henri Espérandieu, qui avait évidemment beaucoup de travail à cette époque-là. On est au XIXe siècle et on retrouve eh bien, une architecture très particulière, encore une fois ce style néo-romano-byzantin, parce que au XIXe siècle, eh bien, Marseille était surnommée aussi la porte de l'Orient. Et évidemment, c'était la période vraiment prospère de la ville, avec des bateaux qui venaient évidemment d'Orient, d'Asie, avec toutes sortes de marchandises. Ce qui a fait que l'on a dû créer un nouveau port. Le vieux port va prendre son nom de vieux port à partir de ce moment-là, va devenir trop petit et donc c'est le quartier de la Joliette qui va se développer à ce moment-là. Et on va voir la création des docks, de bassins portuaires pour pouvoir accueillir ces nombreux bateaux. Ce quartier de la Joliette, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, a été complètement réhabilité, rénové. On a gardé certains bâtiments du 19e siècle, tels que, par exemple, ici sur la diapositive, les docks, qui ont été, donc, il y a quelques années, transformés en bureaux, en restaurants et en boutiques. Et donc, c'est dans ce quartier de la Joliette que vous pourrez aussi admirer le Mucem, dont Sophie vous a parlé largement
tout à l'heure, donc réalisé par le célèbre architecte Rudy Ricciotti, français d'origine italienne, qui a su être inspiré justement par aussi bien l'autre rive de la Méditerranée, puisqu'il est né en Algérie, mais aussi toute l'influence, on va dire, méditerranéenne et très contemporaine. Et c'est donc dans ce quartier de la Joliette que vous serez hébergé, puisque en fin de journée, eh bien, avec notre chauffeur de car, je vous raccompagnerai jusqu'à votre hôtel et je m'occuperai de vous jusqu'à ce que tout le côté, on va dire, logistique, hein, parce que c'est important et ça fait partie aussi de mon plaisir que d'être à vos côtés pour que tout se passe bien, votre hébergement. Voilà, donc on va attendre que la petite diapositive sur votre hôtel, donc vous serez hébergé à l'hôtel Ibis à Euroméditerranée, qui est un hôtel très bien placé, hein, avec, vous pouvez le voir là, juste le tramway devant, s'il y a quelques personnes qui n'ont pas eu encore assez de visites, c'est très facile de prendre le tramway et de revenir en quelques minutes au centre pour profiter encore. Ça m'est arrivé, hein, avec certains groupes, le soir, ils allaient boire un verre sur le Vieux-Port, hein, parce que, voilà, les journées, on est quand même en tête. Et je crois que, Carole, on a déjà des fans de cet hôtel. Hein. Il y a Julie qui confirme, merci Julie, que cet hôtel est top. Tu vois, comme quoi, il y en a qui connaissent déjà. C'est un hôtel vraiment très pratique, très bien placé, très fonctionnel, l'accueil voilà, est vraiment très, très bien. Moi, je sais qu'ils sont très arrangeants, départ, organiser les bagages, etc. Enfin, les quelques séjours que j'ai déjà eu grand plaisir à guider et accompagner sur ces 4 jours en Provence, vraiment, ça s'est super bien passé. Voilà, donc là, nous voici sur le 2e jour. Alors, ce que je vous disais au tout début de la conférence, le gros avantage de ce 4 jours, c'est que vous allez découvrir 3 villes qui sont, mais vraiment très très différentes les unes des autres, qui ont vraiment des fortes personnalités, Marseille, ville portuaire, commerciale, dynamique, multiculturelle. Aix-en-Provence, c'est plutôt le charme de l'ancienne capitale avec ses hôtels particuliers, et puis Cassis, ses calanques, le port de mer, le petit port de pêche. Donc, et à quelques kilomètres les unes des autres, ce qui veut dire qu'on n'a pas de fatigue, de gros trajets, et ça, c'est vraiment un avantage extraordinaire sur ce séjour. Alors, regardez ce magnifique paysage. Là, on prend le bus et on part direction Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, sur la route, avant d'arriver à Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire. Alors certes, on est à un tout petit peu plus de 1000 mètres d'altitude et on appelle ça une montagne. On est à Marseille, hein, donc on aime bien un petit peu quand même le côté exagération, mais c'est vraiment un paysage qui est le paysage typique, le paysage d'Aix-en-Provence, une montagne qui est à la fois historique, puisqu'on dit que les Romains ont arrêté les timbres et les bâtons au pied de la Sainte-Victoire et qui auraient vraisemblablement pris ce nom à ce moment-là, mais entre la légende et la réalité, quelquefois, on n'est jamais sûr. Mais surtout, c'est un lieu actuellement très apprécié des gens de la région pour faire de très très belles balades. Et c'est un lieu qui a évidemment intéressé un peintre. Et juste, excuse-moi Carole, je te coupe, je me permets, parce que j'ai eu l'occasion de faire l'inauguration de notre belle agence à Aix-en-Provence, et le lendemain, on est parti se balader justement
sur cette sainte victoire. Et j'avoue que le parcours n'est pas simple, hein. Il faut y aller. Il y a à peu près 4 heures ou 5 heures de randonnée, hein, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Il y a plusieurs parcours, il y en a vraiment de plusieurs niveaux. Et il y a un parcours qui permet d'arriver jusqu'au prieuré, qui est relativement facile et faisable même avec des enfants pour les familles. Après, il y a des parcours qui sont très, très, très difficiles. J'ai un souvenir du Pic des Mouches assez mémorable, surtout en descente, où c'est quasiment de l'escalade. On est d'accord, on est d'accord. Il faut bien se renseigner avant de partir et prendre le bon parcours. En tout cas, c'est exceptionnel, hein, avec des vues féeriques en haut, avec des petites chapelles. Moi, j'ai eu l'occasion justement d'avoir la petite chapelle en haut. C'est exceptionnel. Ouais. Hein. Voilà, très bon souvenir. Extraordinaire. Et on comprend pourquoi Paul Cézanne a réalisé des représentations, donc dessins et peintures environ. Il a peint et dessiné à peu près 80 fois la Sainte Victoire, qui était vraiment son modèle favori. C'était pour lui vraiment un lieu totalement exceptionnel qui changeait de couleur, d'aspect en fonction du moment de la journée, de l'éclairage. Et donc, c'était vraiment un lieu de prédilection pour lui, à proximité évidemment de son lieu de résidence. Mais là encore, bien entendu, au cours de la visite d'Aix-en-Provence, je ne manquerai pas de vous parler largement de ce peintre qui est né, qui est mort à Aix-en-Provence et qui a toujours aimé par-dessus tout ce lieu et qui a trouvé beaucoup de sources d'inspiration grâce à la lumière, bien entendu, aux couleurs. Hein, vous avez vu la couleur du ciel, la pureté du ciel de Provence. Évidemment, c'est ça qui est assez fabuleux. Alors, vous allez voir donc apparaître une des fameuses représentations de Paul Cézanne à l'écran. Et avant de nous rendre à Provence, on a un petit arrêt encore une fois pour les gourmands, pour vous faire déguster la grande spécialité d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire les calissons. Les calissons étant entre le bonbon, le gâteau, la pâtisserie, ce sont donc des bonbons, on va dire, en gourmandise, en forme d'amande, parce que en fait, ils sont réalisés donc avec de la pâte d'amande, avec une saveur de fruits confits. Les traditionnels ont une saveur de melon ou d'orange. Et donc, nous allons nous arrêter à la fabrique du Roi René, où vous allez être pris en charge par une guide qui va vous raconter tous les secrets de la fabrication, des ingrédients, mais aussi toute l'histoire, parce que là encore, le calisson, c'est une fabrication ancestrale qui serait arrivée à Aix-en-Provence aux alentours du 15e siècle, donc à l'époque du roi René. Donc, vous visiterez bien ce musée qui est vraiment fort intéressant. Les guides sont très sympathiques aussi et vous expliquent et vous montrent les machines anciennes, et la fabrication du calisson n'aura plus aucun secret pour vous. Et puis en plus, vous aurez la possibilité, bien entendu, de déguster bien ces très bonnes gourmandises donc à base d'amandes. Il y a évidemment des amandiers qui poussent aux alentours d'Aix-en-Provence et notamment à proximité du musée et de cette fabrique des calissons du roi René. Donc, après cette visite, ça sera l'heure du déjeuner et ensuite, eh bien, nous nous rendrons à Aix-en-Provence pour une visite un petit peu plus culturelle et pour partir à la découverte de cette ancienne capitale. Et oui, Marseille n'a pas toujours été la capitale de la Provence. Au départ, c'était Aix-en-Provence, qui était plutôt tournée vers Paris, une ville parlementaire. Et du coup, évidemment, hein, tous ces riches
parlementaires ont voulu avoir des belles demeures, et c'est ce qu'on a appelé des hôtels particuliers, tels que celui qui apparaît à l'écran, qui est donc l'hôtel d'Albertas, sur la place d'Albertas, qui est une des plus belles places d'Aix-en-Provence, avec sa fontaine et les bâtiments qui accueillaient donc le marquis d'Albertas. La ville d'Aix-en-Provence, c'est une ville qui est vraiment beaucoup, c'est une ville charmante, hein, qui a vraiment beaucoup de charme, grâce à ses hôtels particuliers, mais aussi grâce à son marché qui a lieu tous les jours. Tous les matins, on a des couleurs de fruits, de légumes qui sont présents sur différentes places d'Aix-en-Provence. Et donc, notre visite va nous amener donc à déambuler comme ça dans les rues et en nous arrêtant devant les plus belles façades, les plus belles fontaines de la ville. On se promènera sur le cours Mirabeau, dans le quartier plus historique, mais aussi dans le quartier Mazarin, qui permettra vraiment une très belle découverte de la ville. J'ai une question, Carole, je ne sais pas s'il y a une signification par rapport à ça. J'ai une question de Jean-Pierre qui nous demande, merci pour votre question hein, Jean-Pierre, pourquoi à Aix il y a autant de fontaines? Alors, Aix, déjà ça veut dire eau. Aque Sextiae, c'était le nom antique de la ville. Et en fait, on a à Aix beaucoup d'eau. C'est une ville thermale, avec évidemment des rivières souterraines, des arrivées d'eau, des sources. Et donc, tout naturellement, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau, il y a quasiment maintenant une fontaine sur chaque place. Et là, la fontaine que vous voyez, c'est la fontaine de la Rotonde, qui est une fontaine du 19e siècle, qui est une des quatre fontaines du cours Mirabeau. Nous ne manquons pas évidemment d'arpenter. C'est une des plus récentes, les autres étant plus anciennes. Et c'est bien entendu la présence de l'eau qui a fait que les Romains ont choisi de s'implanter à cet endroit-là et qu'on a encore les vestiges des anciens thermes romains à Aix-en-Provence. Voilà, j'espère en tout cas, Jean-Pierre, que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à venir me voir pour que je vous en dise encore plus lors de votre séjour, bien entendu. Continue notre visite d'Aix-en-Provence, de ses très beaux bâtiments, le palais Vendôme, les fontaines. Donc sur les façades, comme je vous le disais, on ne manquera pas de s'arrêter pour apprécier tous ces détails d'architecture, des mascarons, des atlantes. Comme je vous le disais, tous ces nobles qui se sont installés à Aix-en-Provence avaient besoin d'affirmer leur pouvoir, leur richesse, leur importance. Et c'était une des façons pour eux d'affirmer leur importance que de le montrer dans la pierre, et évidemment pour notre plus grand plaisir actuellement. Petit passage aussi qui se fera par la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, dont on peut admirer le très beau cloître. Mais aussi l'architecture de la cathédrale qui relate en quelque sorte toute l'histoire de la ville, puisqu'elle a été construite sur un des anciens forums romains et qu'on retrouve des périodes de construction allant du XIIe siècle à quasiment nos jours. Voilà, je vais laisser un petit peu les diapositives passer et ensuite nous allons partir à Cassis. Sur Cassis, et je tenais à faire une petite anecdote. Alors j'ai eu la chance de l'effectuer, hein. Cette course qui est une course mythique, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, si oui, écrivez-le sur le chat, hein. Cette course mythique qui se situe donc aux alentours de en automne, hein, plus en octobre, qui part de Marseille et qui va jusqu'à Cassis. On a 20 km. Alors c'est une course pour ma part que j'ai vraiment appréciée, qui est très très difficile par contre, parce qu'en fait vous avez dès le premier kilomètre une sorte de faux plat, donc on part du stade Vélodrome et puis on monte, hein.
On monte, et entre le 7e et le 10e kilomètre, clairement, on est KO. Et quand je dis on est KO, le premier qui court, je l'applaudis de suite, et parce que c'est assez exceptionnel comme course. Et c'est très, très, très pentu. Donc, c'est très, très difficile. Donc, on se dit dans la tête, bah, tiens, faut rester dans le rythme, faut rester dans le rythme. Et ensuite, on arrive sur ce haut, et donc, on voit ces belles calanques, c'est absolument magnifique. Donc ça, c'était une très très belle course. Et enfin, l'arrivée qui est une des rares arrivées d'après ce que j'ai lu, une des rares arrivées d'après ce que j'ai vécu aussi, le port de Cassis. Vous arrivez sur cette port de Cassis à travers les petites ruelles et là, vous tombez sur le port qui fait un petit arc et vous arrivez au bout. Et c'est la fin de la course, c'est la fin des 20 km. Une course qui se fait pour les meilleurs entre une heure et pour les moins bons, entre guillemets. Après, il n'y a pas de, il n'y a pas de niveau, chacun à son niveau, bien sûr, en 3 heures. C'est exceptionnel. En tout cas, en termes de paysage, on en prend plein la vue, hein, Carole. Je ne sais pas si tu as eu la chance de l'effectuer, cette course, mais c'est très beau. Hein. Pas encore. Il faut que tu t'entraînes un peu. Ce n'est qu'un rêve pour moi. Mais j'ai déjà fait un semi-marathon, mais le Marseille-Cassis, franchement, ça monte, ça descend. Il faut vraiment être très fort. Et chapeau pour ceux, en tout cas, qui arrivent à faire la course en entier. Même, même le dernier, je lui tire mon chapeau parce que c'est vrai que le fait de monter, de descendre, c'est quand même très compliqué. Exceptionnel. Alors, en effet, on va partir en direction de Cassis pour ce troisième jour avec une découverte, vous allez voir, qui va être encore une fois totalement différente par rapport aux deux premiers jours. On va emprunter la route du Marseille-Cassis, mais bon, vous le ferez en bus, hein, ça sera déjà très très bien et vous pourrez apprécier un paysage extraordinaire. C'est la route de la Gineste, avec ce col de la Gineste, qui est situé sur la commune de Marseille. Marseille, c'est une des villes les plus étendues de France. Et donc, on va sillonner cette route dans un paysage méditerranéen, paysage de garrigues, de pins, qui sent bon le thym, le romarin. Là, on est vraiment dans... On en a pour tous les sens, en quelque sorte, qui sont mis en action, on va dire, jusqu'à notre arrivée, en effet, et bien un petit peu comme les coureurs du Marseille-Cassis, sur ce petit port en arc de cerf qui est vraiment plein de charme. Et on va continuer jusqu'à un très beau point de vue qui nous emmènera sur la plus haute falaise maritime d'Europe, qui s'appelle le Cap Canaille. Et de là, vous aurez une vue absolument époustouflante sur les eaux cristallines, sur les calanques, sur le petit port de Cassis, qui est vraiment une vue très, 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 très belle. Et par, hein, comme disait Sophie tout à l'heure, on est à plus de 300... plus de 300 jours de beau temps par an, donc vous imaginez le ciel bleu et les eaux d'un bleu turquoise, c'est absolument magnifique. Avant donc de redescendre sur le petit port de Cassis, comme je vous le disais, c'est un petit port tout à fait pittoresque. Alors je vous raconterai bien entendu l'histoire de Cassis, puisque c'est antique au départ, mais qui aura une importance aussi à la période médiévale. Mais c'est une ville qui a su conserver tout son charme de par son implantation dans cette petite crique qui ne permet pas donc trop d'extension, on va dire, de construction et qui permet de garder tout son charme, regarder les façades colorées. On se croirait dans un petit port de pêche à l'influence italienne. Et ça permet de faire de très, très jolies balades, de partir en mer aussi avec les bateaux que vous voyez ici à côté. La ville de Cassis, c'est comme pour Marseille ou comme Aix-en-Provence, c'est une ville qui est riche aussi de traditions. On y joue à la pétanque, on y mange aussi la bouillabaisse comme à Marseille. Donc, c'est une ville qui est pleine d'animation quasiment toute l'année. Donc vous allez voir perché sur la colline eh bien un château médiéval qui nous montre bien la riche histoire de la ville.
Alors, il faut savoir que ce château médiéval, malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de vous le faire visiter pour une simple et bonne raison. Si vous voulez le visiter, eh bien, il va falloir réserver une chambre d'hôtel parce que c'est un hôtel maintenant. Il a été racheté et transformé en guest house de luxe, mais rien que de le voir voilà, en contrebas comme ça, du départ des navettes pour les Calanques, ça nous montre vraiment l'importance historique de la ville. Donc en contrebas du château, vous apercevez quelques parasols qui nous montrent qu'ici il y a marché et les bateaux que vous pouvez voir, eh bien, c'est un d'entre eux que nous allons emprunter direction les fameuses Calanques. Ces criques, ces vallées profondes qui ont été creusées dans la roche et qui font un paysage aussi particulier, un paysage vraiment grandiose et que l'on peut visiter que de deux façons, soit à pied, soit en bateau. Donc nous, ce qu'on va vous proposer avec Voyage Rive Gauche, c'est d'embarquer sur un de ces bateaux au départ du port de Cassis et de partir à la découverte de trois de ces calanques. Alors la première calanque, c'est la calanque de Port-Mioux, le meilleur port. C'est une calanque qui est longue de plus de 1 km, qui est très bien protégée et qui, depuis toujours, a servi d'abri pour y mettre son bateau. Et on a encore actuellement 500 bateaux dans la calanque de Port-Mioux. Cassis, c'est aussi une ville qui est connue pour sa pierre. Vous avez certainement déjà entendu parler de la pierre de Cassis. Et donc, il y avait des carrières de pierre, on extrait la pierre au bord de la mer, et cette pierre, elle a servi pour la réalisation des plus beaux bâtiments de Marseille, de certains ports aussi en Europe, et même à l'étranger, en Égypte, en Grèce, aussi. Voilà. Et donc, on continue Je confirme, si je puis me permettre, Carole, hein, elle a servi cette pierre, donc la pierre de Cassis, au canal de Suez, au port d'Alexandrie, et même au pied de la statue de la liberté à New York. Alors, c'est ce qui se dit, peut-être que tu me... La statue de la liberté, la tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est pour ça que je le disais avant, et maintenant j'hésite, parce qu'il y a des gens qui disent que non. D'accord, ok. Alors, mais par contre, oui, le canal de Suez, et en effet, le port d'Alexandrie et le Pirée, en Grèce, là par contre, on en est sûr à 200%. Ça va, j'ai deux réponses sur trois, ça va, je suis qualifiée. Voilà, c'est très bien. Je participerai à ton voyage justement pour avoir plus d'infos et pour être sûr de tout ça. Merci. Après Port-Mioux, on continue notre périple et on quitte Cassis parce qu'en fait, Port-Mioux, c'est la seule calanque qui se trouve sur la commune de Cassis. Toutes les autres calanques sont sur la commune de Marseille. Et donc là, direction la calanque de Port-Ain. Et en effet, vous pouvez le voir sur la diapositive, c'est le pin qui est l'arbre, on va dire, le plus courageux pour réussir à pousser dans les failles du calcaire sans avoir beaucoup de terre. Et donc, c'est cet arbre que l'on va rencontrer majoritairement dans les calanques. Voilà, donc direction la calanque de Port-Pin, qui est souvent la préférée des personnes qui veulent un peu se bronzer, profiter de la plage, par exemple. Et ensuite, la troisième calanque où nous allons aller, c'est la calanque d'Envaux. La particularité de la calanque d'Envaux, c'est que c'est aussi le paradis de ceux qui veulent faire de l'escalade. Il y a des voies d'escalade dans la calanque d'Envaux. Voilà, donc c'est un lieu qui est vraiment extraordinaire, hein, qui est le paradis, vous voyez, des baigneurs, des kayakistes, mais aussi des randonneurs, hein, puisque comme je vous disais, de Cassis à Marseille, on peut y aller aussi par un petit chemin de randonnée qui nous permet, sur une vingtaine de kilomètres, Alors, en une journée, c'est un peu compliqué. Hein. En général, on fait un petit aller-retour, on fait une portion et on n'oublie pas d'être bien
bien chausser et d'avoir beaucoup d'eau, surtout en plein été. Alors, sur cette dernière, je crois que c'est cette dernière diapositive, vous avez une vue magnifique. Donc là, c'est sur Port-Mioux et sur le Cap Canaille, qui est donc cette plus haute falaise maritime d'Europe, avec un éclairage absolument fabuleux. Voilà, donc les Calanques, c'est vraiment un lieu à venir vivre. C'est pas quelque chose qu'on peut se contenter de voir en photo, il faut vraiment le vivre. Après la balade dans les Calanques, bien entendu, ça sera l'heure du déjeuner dans un petit restaurant dans le centre de Cassis. Et après quoi, nous reprendrons le bus pour non plus une halte gourmande, mais pour une halte de dégustation de vin. Et nous allons nous rendre au domaine de la Bégude, qui est un domaine tout particulier, parce que c'est un domaine qui a une belle histoire, qui est un lieu très ancien. Leur chai se trouve même à l'intérieur d'une chapelle du 7e siècle, pour vous dire. Donc c'est une visite qui va pouvoir allier des dégustations, connaissances de la viticulture, de l'œnologie, et on vous sera accueilli par vraiment une... Alors, quelquefois, il y a la mère et la fille, donc c'est vraiment une entreprise familiale de femmes passionnées par leur métier, par le vin, et par le vin de Bandol. Alors, on va quitter les Bouches-du-Rhône, puisque le domaine de la Bégude est à la frontière, on va dire, et se trouve sur le département du Var, et que le vin de Bandol fait partie de ces grands vins de la région, qui a obtenu l'AOC en 1941, d'avoir qu'à Cassis aussi, hein, on a un très bon vin qui a obtenu un label de qualité un petit quelques années auparavant. Alors Cassis, du vin blanc, Bandol, on a toutes les couleurs de vin, on va dire, mais la réputation du Bandol, elle est aussi sur le vin rouge. Et obtenir l'AOC Bandol, c'est pas si simple que ça, et ça te demande d'être vraiment, vraiment passionné. Voilà. Donc là, vous avez quelques très belles vues de ce magnifique domaine, de son vignoble, de ses chais. Vous allez voir aussi son vignoble au milieu des collines, au milieu d'un paysage typiquement provençal, la vigne, les collines, les cyprès, les oliviers, parce qu'au domaine de la Bégude, on produit aussi de la fameuse huile d'olive. Mais ça aussi, c'est vraiment toutes des histoires que je vous raconterai pendant ces jours, hein, puisque évidemment, toutes ces plantations, toutes ces plantes, elles ont une histoire, elles sont très anciennes, elles sont arrivées sur le pourtour de la Méditerranée à la période grecque. Ça fait aussi évidemment partie. Et je confirme qu'il y a des passionnés, hein, visiblement Marie-Noël et Mina également, qui nous répondent comme quoi elles sont passionnées de vin de Bandol. Donc merci pour votre participation sur le chat, merci de nous partager votre passion. C'est vrai qu'en regardant ces images là, c'est absolument somptueux, et comme c'est bientôt l'heure du déjeuner, bah écoute, je crois que tout le monde va se servir, hein. C'est ça. Et donc, on va arriver au fameux savon de Marseille. Hein. Vous le connaissez, le fameux savon de Marseille. Hein. Carole, tu vas nous faire découvrir tout ça. Alors, en effet, le quatrième jour, c'est une matinée. Il y avait une petite vidéo peut-être sur le savon de Marseille. Il y avait une petite vidéo. Alors, quelle vidéo tu veux, dis-moi. La quatrième. La quatrième vidéo. C'est la petite vidéo. Eh ben super. L'avant-dernière. Alors, confiserie de Roi René à Aix-en-Provence. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est la savonnerie, le musée du savon. Ok. Le musée du savon, c'est parti. Et voilà, allez, let's go. L'avant-dernière, par contre, c'est l'inch...
Magnifique. Donc on a découvert ce fameux savon de Marseille. Je te laisse nous en dire un peu plus, Carole. Oui, bien sûr. Alors, donc cette dernière journée, elle va être consacrée au savon de Marseille et à la visite de Notre-Dame de la Garde. Alors, en début de matinée, on va se rendre au musée du savon. Et donc là, vous allez pouvoir comprendre déjà l'importance de ce produit à Marseille, qui n'est pas simplement, comme on pourrait le croire, un produit pour les touristes, mais qui est vraiment une tradition très très ancienne, puisque le savon de Marseille, il est produit à Marseille depuis le Moyen Âge. Marseille étant un port, évidemment, il y a toutes sortes de produits qui sont arrivés à Marseille, dont le fameux savon d'Alep. Et donc, les Marseillais ont repris en quelque sorte la recette de ce savon d'Alep qu'ils ont un petit peu transformé. Et ils ont, à partir de ce moment-là, fabriqué leur propre savon. Et c'est toujours celui-ci, eh bien, que l'on va utiliser quotidiennement, ce fameux cube vert fait de 72% d'huile d'olive et qui est donc revenu, on va dire, en quelque sorte à la mode, puisque maintenant on cherche évidemment des produits naturels, on cherche des produits voilà, sans additifs, qui sont bons pour notre santé, pour notre peau. Et évidemment, au cours de cette visite, on vous expliquera bien, tous les secrets de fabrication et vous repartirez avec votre propre savon, puisque vous allez pouvoir y apposer le logo, on va dire, de votre choix. Ah, attention, on indique un niveau de batterie faible. C'est ce que Ça je vois aussi. vaut mieux le brancher le plus vite possible parce que c'est vrai que ça peut nous causer des petits soucis. Bon, on va brancher ça en attendant. C'est du direct, hein, c'est normal, vous le voyez, hein, tout est en direct et donc. Je crois que j'y suis arrivée. Voilà, félicitations Carole, Voilà. on est parfait. Et puis on recommence, voilà, on continue ce direct. N'hésitez pas à nous écrire sur le chat pour ceux qui viennent d'arriver. Restez jusqu'au bout, surtout, je vous rappelle qu'il y a un voyage à gagner à la fin de la conférence et d'autres surprises qui vous attendent. Donc pour ceux qui nous rejoignent, Carole est en train de nous expliquer un petit peu, de nous exposer ce beau circuit que nous proposons chez Voyage Rive Gauche, circuit qui dure 4 jours, voilà, et donc. Elle est en train de nous faire rêver là-dessus, c'est absolument super. Donc je vous laisse continuer. Je te laisse continuer, Carole. Alors, après la visite donc du musée de Marseille, de Marseille, avec évidemment le symbole de Marseille, c'est-à-dire la basilique Notre-Dame de la Garde. Donc là, vous avez une vue absolument splendide, et c'est vrai que quand on est au sommet sur la terrasse la plus haute, une vue extraordinaire sur tout Marseille, une vue à 305, à 360 degrés, on fait le tour complet de la terrasse et là on a une vue imprenable, époustouflante sur toute la ville. C'est une véritable carte postale, hein, en quelque sorte, avec évidemment la vue sur les îles du Frioul, dont la plus célèbre, c'est la ville d'If, avec le château d'If du comte de Monte-Cristo. Et évidemment, cette visite nous amènera à parler, encore une fois, d'architecture, de l'histoire, évidemment, de cette basilique, qui remonte au Moyen Âge. Avec la construction d'une première chapelle, puis d'un fort sous François Ier, et puis la construction de la basilique à l'intérieur du soubassement de ce fort au XIXe siècle, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le même architecte que Sainte-Marie-Majeure, avec, comme vous pouvez le constater, le même style oriental, byzantin. Que la cathédrale, là on n'a qu'une seule coupole, la basilique est beaucoup plus petite, mais c'est un véritable petit bijou. Et au sommet, évidemment, du clocher, cette fameuse Vierge de la Garde hein, qui regarde en direction de la mer et qui protège les Marseillais, les voyageurs, les navigateurs
depuis plus d'un siècle. Vous aurez la possibilité, bien entendu, de pénétrer à l'intérieur de ce petit disque. C'est un véritable petit joyau à l'intérieur, décoré de mosaïques, de marbre polychrome. Toutes ces décorations ont été réalisées par des décorateurs vénitiens. Donc, on a vraiment une beauté polychrome à l'intérieur de cette basilique, avec ses coupoles, ses décorations et ses nombreux ex-voto dont je vous expliquerai ces cadeaux offerts à la Vierge en signe de remerciement, hein, notamment parce que, évidemment, prendre la mer n'est pas toujours quelque chose d'anodin, surtout au XIXe siècle. Et quand on était de retour de la mer, enfin d'un long voyage en mer ou de la guerre par exemple, eh bien, on venait remercier la Vierge en lui offrant comme ça un ex-voto, un cadeau qui pouvait être sous diverses formes. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet exposé qui, j'espère en tout cas, vous aura vraiment donné envie venir dans notre très belle région et de venir donc suivre mes pas pour vous montrer toutes ces richesses de ces trois villes, comme je vous disais, très très différentes, très très passionnantes.